T'as vu la gare au Yémen là? C'est horrible. Ah, ça fait des années qu'il y a un conflit entre le Yémen et une coalition de pays arabes menée notamment par l'Arabie Saoudite. Ah, tu sais pas? C'est vrai qu'ils en parlent pas à la télé. C'est quand même bizarre, hein? Quand tu sais qu'on a vendu pour 455 milliards d'euros d'armes à l'Arabie Saoudite en mars dernier, on pourrait quand même en toucher un petit mot. Bon, c'était pas pour bombarder le Yémen, hein? Nous, les civils et tout, a rien à voir, hein? Ah non! Pas notre genre. Toutes les 10 minutes, il y a un enfant qui meurt de famine ou de maladie. Ah bah, si tu veux te faire une idée, c'est à peu près la fréquence à laquelle Elisabeth Lévy sort une connerie. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Il y a même une tribune écrite par un collectif de personnalités issues du milieu politique, artistique, universitaire, comprenant notamment Robert Badinter, Juliette Binoche. Ça te dit rien? Quand même dommage que Juliette Binoche ne soit pas Catherine Deneuve. Bah, au moins, t'en auras entendu parler. T'as vu, c'est bientôt le championnat du monde, la soupe au fromage. Le mois prochain. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Mais c'est quand même mieux que les JO, non? Tant même les participants, ils sont deg. Moins 22 degrés, y'a pas un pet de neige. C'est la loose, ouais. J'aurais mieux fait de rester ici, hein. On en a de la neige, hein. Attends, il doit y avoir au moins 5 cm, hein. Remarque, on t'en fout, hein. Les JO, on était ici. Je crois qu'on a pas le petit grand froid. Les coussins chauffants, les 27 salles chauffées, les radiateurs partout pour pas qu'il y en ait un qui ait le nez qui coule. Mais on a des super containers. Hein. Ah, ça. Ça va être deg quand même, le mec à Calais, pas avoir été sélectionné. T'as vu, il y a une pâtissière en Californie qui a refusé de faire un gâteau pour des mariés. Parce que c'était des femmes, les mariés. Ouais, les deux. Ah bah, elle a obtenu gain de cause, hein. Au nom de la liberté d'expression. Ah, ça. Imparable. Moi, je me dis, c'est quand même beau de pouvoir choisir pour qui tu travailles au nom de la liberté d'expression. Bon, en même temps, si tout le monde s'arrêtait de bosser pour les cons, il y aurait plus grand monde pour faire tourner la machine. Bon, en tout cas, permettez-moi de vous dire, madame, vous êtes une imbécile. Au nom de la liberté d'expression, ouais. You are an idiot!